Jeudi 23 septembre 2004, la communauté congolaise de France s'est donné rendez-vous au 7e niveau du siège de l'UNESCO à Paris pour célébrer dans l'allégresse le 44e anniversaire de l'indépendance du pays. La cérémonie, placée sous l'égide de l'ambassadeur du Congo en France, Son Excellence Henri Lopez a tenu ses promesses, à en juger par le nombre et la qualité des personnes qui y ont pris part, entre autres le monde diplomatique. Ambiance chaleureuse, retrouvailles, poignées de main en point de convivialité, photos souvenirs, oui, le Congo est sous son beau jour. Pour rappel, le point d'orgue de la commémoration du 44e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo a été le défilé civil et militaire organisé à Pointe-Noire sous la présidence du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Pourquoi Pointe-Noire? Simplement parce que le chef de l'État a décidé l'année dernière d'organiser désormais l'anniversaire de l'indépendance nationale de manière tournante dans les différents chefs-lieux des départements du pays. Pointe-Noire, de par sa position stratégique, capitale économique du pays, a donc donné le temps. Bref, le Congo est un et indivisible. Nous en avons eu la preuve une fois de plus ce soir à travers l'esprit de solidarité et le sens du nationalisme très perceptible qui a plané tout au long de la cérémonie. Ambiance. Monsieur et Madame Jorbib. Je vous ai souvent au téléphone, j'ai eu des Consul général de Cuba. Verde, président de la route de l'Équateur. Monsieur Baloumas. Monsieur Pigas, journaliste. Ça y est, vous êtes là maintenant? Non, écoutez, vous avez la fin. Vous savez, il y a une ligne. Ah, d'accord. Thank you.
là-bas. Chaque pays. Bien. Je tombe mon corps. Merci. Enchanté, Laurent Taïeb. Ravi. Enchanté, Laurent Taïeb. Merci. Monsieur Cardorel, chef d'entreprise. Madame Nicole Ossard. Nicole est devenue sud-africaine. Armand, vous allez nous prendre avec Nicole. Papier. Ça va mon Dieu. Ça va ? C'est gentil d'être venu. Je recherche. Armand, même. Allez prendre le mini au cas. On va faire une photo ensemble. Oui, c'est un plaisir. On va faire une photo avec lui, mon frère. On va tout faire. Je vais aller. On va faire une photo ensemble. Mais quelque chose de sérieux, hein, toi, tu as bien. Armand, tous les deux sœurs, là, ce voilà. Tu les prends tous les deux. Tous les deux. Ouais. La sécurité de l'UNESCO. Je vais voir. On ne pas encore. Clairement, le docteur avait bien fait manger. Parce que c'était la seule chose. Le seul qui doit en avoir. Parce que sinon, ça devait être après. Donc, c'est pas la peine que je vous le redise. Hein. Je me souviens de l'histoire. Oui, écoutez, il n'y a pas de commentaire. L'essentiel s'est fait à Brazzaville. Il fallait aussi réunir les Congolais. Et le monde diplomatique avec lequel le Congo a des relations, ici à Paris, pour des raisons pratiques, nous le faisons avec un peu de retard. Le mois d'août, vous le savez, est un mois mort à Paris. Et je suis heureux là d'accueillir nos compatriotes ainsi qu'une partie de nos amis. Déjà, c'est beaucoup et peu, non, bien sûr.
Ce soir, je ne peux pas faire de bilan, et le bilan de notre pays, vous savez, il faut le laisser aux historiens, avec le recul du temps. Non, mais déjà le fait que vous ayez pensé à nous, ça nous fait énormément plaisir. Non, non, c'est normal. Mais... Et voilà, il faut dire au Congo que c'est important qu'on fasse ça chaque année. C'est bon. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire comme on l'a fait maintenant, qui à la place de la France? Bon, on comprend bien parce que on était la première fois de la décision. C'est mieux qu'on ait décalé. Ils m'ont dit que si on avait fait le test, on va peut-être pas du monde. Il n'y a personne. Voilà. Donc, le fait déjà de rassembler tous les Congolais. Et puis il y a aussi les circonstances qui ont fait. Voilà. Mais peut-être est-ce qu'on doit le faire par exemple le 13 août ou le 17 août, quelque chose comme ça. Au mois d'août, les gens sont en vacances. Moi, c'est mieux en septembre. En septembre, au début d'automne, bon, c'est un instant de chaleur. On fera dans un espace plus grand et on habitera plus. Et moi, c'est moi qui vous remercie d'être venu et de votre tenue, parce que beaucoup de gens, les diplomates qui étaient là, tout ça, vous voyez, ça fait qu'ensuite, ils ont envie de venir, parce que les petits pays, les grands nous méprisent un peu. Les ambassadeurs, il y a les principaux ambassadeurs qui sont venus sont d'Afrique. Et d'Afrique sur ça. L'ambassadeur d'Israël est venu au Vous avez aidé à faire ce soir une belle fête. Merci. Ils ont remarqué que nous sommes bien élevés aussi. La prochaine fois, ils viendront. Vous savez, c'est l'excellent.